voir le numéro 487. 487. 487. Dis-le. 487. 487. T'as compris? Oui. Moi, à l'université, je pensais pas à la discrimination raciale, non. Je pensais à plutôt comment faire pour être sûr d'augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise. Je pensais à plutôt comment je vais pouvoir optimiser mes compétences, comment est-ce que je vais répondre à leurs besoins, comment est-ce que je vais être créatrice de projets, créatrice de ventes, tous des trucs comme ça. Je pensais pas que j'allais me bagarrer pour essayer d'entrer dans une entreprise. Vraiment, j'ai honte, si vous voulez, en tant que citoyen français, de voir que l'égalité républicaine n'est pas respectée. On en parle, tout le monde en parle, c'est dans les phrases de la République. Mais la première égalité républicaine, c'est l'égalité des chances. Et ces gens-là n'ont pas autant de chances que les autres, c'est clair. Après mon 2SS, j'ai rencontré aussi des difficultés. J'ai eu, dans le cadre d'entretien, des réflexions tout à fait déplacées par rapport à l'objet de l'entretien lui-même, quoi. C'est-à-dire, on m'avait dit, bon, j'espère que vous savez écrire, parce qu'on a eu un Rachid, il n'y a pas longtemps, qui lui avait des problèmes d'orthographe. Certains DRH ou certains chasseurs de tête, quand ils reçoivent des CV, en fait, leur premier souci, c'est comment faire passer la pile de 100 CV à 10 CV. Bien évidemment, on prend ce qu'il y a de plus classique. Donc là encore, tendance à éliminer tous les CV qui vont être un peu exotique, soit quant à l'origine du candidat, soit quant au parcours. Je ne savais pas que par mon nom, la première ligne de mon CV était archi faux. Je ne savais pas, ou du moins j'ai commencé à comprendre, qu'avant d'être candidat, j'étais d'abord, bien que précisant nationalité française, j'étais d'abord d'origine maghrébine. Moi, je ne m'étais jamais posé la question non plus. Ça m'était même jamais venu à l'idée que je pouvais ne pas accéder à un poste parce que j'étais noire. Il faut que vraiment les chefs d'entreprise réfléchissent, que eux aussi, avant de devenir chef d'entreprise, quelqu'un leur a donné une seule chance. Donc les jeunes qui sortent de l'école, qu'ils soient noirs, blancs ou arabes, il faut qu'ils acceptent de leur donner une seule chance.